Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Ernesto Araújo, ministro de Estado das Relações Exteriores. Bom dia a todos. Estamos extremamente felizes de receber hoje aqui e honrados a visita do conselheiro federal de Assuntos Estrangeiros da Suíça, Ignacio Cassi. Tivemos uma excelente reunião agora, bilateral. Até peço desculpas que durou mais do que o previsto, né, e que é um excelente sinal da qualidade, da densidade das relações entre o Brasil e a Suíça. Demos continuidade ao encontro ocorrido em Davos entre os presidentes Jair Bolsonaro e Ulrich Maurer, à margem do Fórum Econômico Mundial. E reconhecemos a extraordinária importância da relação, tanto no terreno econômico quanto no terreno político. Reconhecemos a grande comunidade de visões de mundo entre os nossos governos, em termos tanto da necessidade da abertura econômica, da competitividade econômica e, ao mesmo tempo, da agenda dos valores, da democracia, da liberdade e da economia de mercado. Temos já uma relação extremamente rica, extremamente produtiva, mas já identificamos várias áreas em que podemos aprofundá-la e que vamos aprofundá-la. Na área econômica, teremos no segundo semestre uma reunião bilateral sobre os temas econômico-comerciais, onde já planejamos iniciar conversações sobre um possível acordo de investimentos entre Brasil e a Suíça. Conversamos muito sobre o tema regulatório, a necessidade de aperfeiçoamento regulatório como um mecanismo fundamental para a atração de investimentos, o crescimento. O Brasil tem muito a trabalhar com a Suíça nessa área. Um país extremamente competitivo, extremamente eficiente e além dos investimentos bilaterais, temos muito a aprender e a acrescentar a nossa agenda de desregulamentação e de crescimento econômico. Falamos muito sobre a parte de ciência e tecnologia. Nós temos na Suíça hoje um hub importantíssimo de tecnologia, de inovação, de startups em várias áreas, uma delas a área de tecnologia financeira. A Suíça está se tornando um segundo Silicon Valley para muitos setores da economia e o Brasil precisa se conectar a isso. Nós, como os senhores sabem, temos feito nesse governo um enorme esforço, junto com o ministro Marcos Pontes e todo o governo, de capacitação tecnológica em benefício da indústria brasileira, da competitividade, do crescimento, e estamos com uma agenda muito intensa de nos conectar aos grandes centros tecnológicos do mundo, a Suíça é um deles, então estamos programando também para o segundo semestre uma reunião bilateral de ciência e tecnologia, onde vamos lançar várias ideias, já lançamos hoje, já começamos a trabalhar sobre algumas ideias de estímulo a startups, com base em modelos que estão funcionando em outros relacionamentos. Queremos realmente que a parceria Brasil-Suíça dê muitos frutos nessa área da ciência e tecnologia. Falamos da excelente cooperação que temos na área judicial e impositiva, em termos de recuperação de ativos, por exemplo, onde a cooperação com a Suíça é tão fundamental para nosso combate à corrupção, por exemplo, e outras áreas da nossa atuação. Falamos da importância dos mecanismos multilaterais, a Suíça e o Brasil são tradicionalmente países muito engajados nos sistemas multilaterais, esclarecemos bastante quais são as visões brasileiras nos organismos multilaterais, a visão de que são campos fundamentais de atuação diplomática, mas, ao mesmo tempo, a convicção do Brasil de que precisamos, em muitos casos, rever a agenda desses organismos e colocá-los realmente a serviço
dos seus países membros, discutir coisas que sejam importantes para o povo brasileiro nesses organismos, para a economia brasileira, tanto em organismos econômicos quanto em organismos políticos. Falamos também da importância de apoiarmos o processo de transição democrática na Venezuela. Isso, como os senhores sabem, é uma grande prioridade para o governo brasileiro. Estamos engajados nisso, sob diferentes instrumentos. O Brasil, como os senhores sabem, é um participante do Grupo de Lima, com grande destaque para o esforço que o Grupo de Lima está fazendo em apoio à transição democrática na Venezuela, e procurei passar essa visão para o governo suíço, da importância de que toda a comunidade internacional, cada um da maneira possível, se mobilize em favor disso. Só para mencionar a grande qualidade da reunião que tivemos e a importância fundamental que o Brasil atribui à relação com a Suíça em áreas que são fundamentais para prioridades do povo brasileiro, crescimento econômico, combate à corrupção e inovação, entre tantas outras. Muito obrigado. Queria passar para o ministro Cassis. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cher Ernesto Araújo, tout d'abord, merci beaucoup pour accueillir la Suisse aujourd'hui ici à Brasilia, dans cette merveilleuse ville que nous venons de visiter ce matin et qui a une dimension artistique unique. C'est vraiment une grande surprise de voir comment vous avez réussi à faire naître de la brousse une ville moderne aussi structurée qu'elle l'est. Merci pour nous accueillir ici à la fin de notre voyage en Amérique du Sud, une mission qui a touché trois pays, tout d'abord l'Uruguay, après le Chili et, last but not least, le Brésil. Parce que le Brésil est un partenaire non seulement important, il est le premier partenaire par importance de l'Amérique latine. Non seulement par rapport à sa taille géographique, à sa taille de population. Si vous pensez que la Suisse a 9 millions d'habitants, vous en avez 212, on a une taille très différente. Mais parce que nous avons 200 ans de relations diplomatiques. Le premier consulat suisse fut ouvert à Rio de Janeiro en 1819. Donc il y a exactement 200 ans. Je sais qu'il y a plusieurs célébrations cette année pour cette date. Et je crois que c'est très beau de venir ici lors du 200e anniversaire de nos relations, à un moment où le Brésil se trouve aussi au début d'un nouveau voyage, avec un nouveau gouvernement qui a une volonté de changer pas mal de choses. Et nous vous souhaitons tout le courage et tout le bien pour créer plus de prospérité, de sécurité, non seulement au Brésil, mais dans le monde entier. La colonie suisse qui vit ici, elle est nombreuse. On a 16 000 citoyens suisses. Et nous avons un partenariat stratégique sur le plan politique et économique depuis 10 ans entre le Brésil et la Suisse. Il était pour nous essentiel, après 6 mois du nouveau gouvernement, de connaître par la vive voix du ministre les orientations du gouvernement Bolsonaro pour voir vers où le Brésil est en train d'aller. Nous avons eu déjà la possibilité d'un bref échange lors du VEF à Davos, le mois de janvier passé, et c'était sur cette base que j'ai accepté l'invitation de venir vous voir. Sur le plan économique, nous avons rencontré la communauté suisse économique à São Paulo hier soir. La communauté économique est déjà bien présente, mais elle aimerait évidemment augmenter sa présence et augmenter les échanges commerciaux avec le Brésil. Pour ce faire, il faut trouver les meilleures conditions cadres. Et les meilleures conditions cadres s'articulent autour de
deux, trois traités juridiques qui sont très importants. Je cite rapidement le traité contre la double imposition qui a été signé, qui attend d'être ratifié. Je cite le traité de libre-échange que la Suisse, avec ses pays alliés dans la famille EFTA, est en train de faire avec le Brésil et la famille Mercosur. J'espère qu'on pourra avancer rapidement sur ce dossier. Et on a lancé aujourd'hui dans cette discussion les bases pour reprendre l'idée d'un traité sur la protection des environnements. Je crois que ces trois éléments seraient à même de booster, d'améliorer de manière importante notre relation sur le plan économique, ce qui permettrait d'élargir aussi le champ d'application à la fintech. On en a beaucoup discuté ce matin. On a réitéré l'invitation aux autorités brésiliennes de venir nous visiter, de nous visiter à Zug, où on a la vallée de la fintech, où on a le centre, disons, de cette intelligence financière. Et on a beaucoup parlé aussi de science diplomacy, de science diplomatie, c'est-à-dire de la collaboration entre le monde scientifique et le monde diplomatique, politique, pour augmenter le niveau de coopération. J'ai expliqué au ministre Araújo la création d'une nouvelle fondation à Genève qui s'appelle The Geneva Science and Diplomacy Anticipator, qui veut essayer de trouver des solutions aux nouveaux défis du 21e siècle qui sont liés à la numérisation, à l'intelligence artificielle, aux robots et à toute cette nouveauté qui nous vient de la numérisation de notre société. Sur le plan bilatéral, on a aussi évoqué la lutte contre la corruption. On a signalé que pour améliorer notre coopération, il faut évidemment garantir la transparence, l'absence de corruption, le respect des droits de l'homme, une démocratie solide, le respect des minorités. Et évidemment, c'est les meilleures conditions pour éliminer la pauvreté qui continue d'exister, non seulement au Brésil, mais dans toute la planète. Et sur le plan politique, nous avons échangé de manière un peu plus spécifique notre point de vue sur la situation au Venezuela, qui est une crise humanitaire majeure pour laquelle la Suisse est engagée à défendre les intérêts des États-Unis, tout en ayant soutenu les sanctions des Nations Unies et de l'Union européenne contre le gouvernement, mais la Suisse ne s'est pas exprimée pour le gouvernement Guaido ou pour le gouvernement Maduro, parce que ce n'est pas conforme à ses lois de le faire. Nous sommes entretenus aussi sur le rôle et la possible coopération sur le plan multilatéral. Il y a un accord de fond sur la nécessité de réforme du système des Nations Unies et nous sommes les deux candidats au Conseil de sécurité des Nations Unies pour une période qui nous verrait être les deux en même temps en 2023. Donc, pourquoi ne pas réfléchir à un agenda de coopération pour cette activité de la Suisse et du Brésil, évidemment, si nous arrivons à être élus au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et j'ai finalement remercié le ministre et le Brésil pour leur grande présence à la Genève internationale. Nous estimons beaucoup les efforts du Brésil dans la Genève internationale, mais aussi dans votre ambassade à Berne. Vous avez un ambassadeur très actif qu'on estime beaucoup dans son activité et nous espérons pouvoir bâtir là-dessus. Contrairement à quelques préoccupations en Suisse, le ministre a confirmé que le Brésil veut soutenir un système multilatéral fort, mais performant, efficient et capable de joindre les objectifs qu'il se pose. C'est des buts, les mêmes buts que la Suisse a par rapport à ce système international. Voilà, j'ai terminé par invitant le ministre à visiter la Suisse, non seulement la Suisse de la capitale de Berne, mais la Suisse qui parle italien, la région d'où je viens. C'est une minorité
qui est très bien accepté en Suisse, et nous serions très heureux de vous accueillir en Suisse ces prochains mois. Merci.